On est fucking live. Fait que là, let's go. Let's go, let's go, let's go. J'ai confiance, on fait les. On fait les mother de fucking playoff. So, ça va être quand même bon, là. I mean, actually, ça va être fort. Ok, on est live, fait que là le premier match a été streamé. Va être Québec contre Gatineau. Québec-Gatineau. Et là on est live, là. On est live, là. On peut pas être plus live que ça pour le deuxième tour des séries éliminatoires. Hein. Va être quand même assez impressionnant. Et là, après une période, aucun but, et là, on a droit à un très bon match. Et là, Israël Mianskoum est le premier à secouer les cordages. Et Xavier Lebel crée l'égalité. Et là, les remparts de Québec, qui sont un peu les underdogs des équipes encore présentes, un peu comme Moncton, là, qui avait même pas l'avantage de la glace contre Charlottetown, mais qui ont quand même perdu, qui ont quand même gagné. Ce qui est quand même assez impressionnant, et là, après deux périodes de jeu. On a la marque étant de 1 à 1 entre les Diables Rouges, les Remparts de Québec et les Olympiques de Gatineau. Qui est quand même assez serré. Et là, Michael Huchette marque et donne les devants 2 à 1 aux Diables Rouges. Et les Diables Rouges mènent cette série 1 à 0. Et là, la troisième étoile avec le but gagnant, Michael Huchette. La deuxième étoile avec 25 arrêts, Quentin Miller. Et avec 32 arrêts, la première étoile, Nicolas Rochia. Et là, Justin Carbonneau qui est blessé du côté des Diables Rouges. Et ça va faire mal à cette équipe. Malgré que ce soit un des derniers joueurs, on a Olivier Lemieux qui entre dans l'alignement. Pour les Diables Rouges. Et là, du côté des Remparts de Québec. Et là, on a le match, la série tant attendue entre les Moussettes d'Halifax et les Huskies de Rouyn-Noranda. Et là, Benjamin Brunel déjoue Mathis Rousseau en débutant la rencontre, ce qui est quand même très impressionnant. Et là, on a droit à une série qui va être quand même serrée selon moi. Et là, Dylan Gill qui double l'avance des Moussets, des Huskies, mille excuses. Et là, ça va être des très bonnes séries. Des très bonnes séries à prévoir, là. Des bonnes équipes, des bonnes séries. Bref. Ça va être quand même assez bon, là. En ce moment, il reste 8 grosses équipes encore dans la course. Les Moussettes d'Halifax qui ont quand même sorti les Eagles du Cap-Breton, donc peuvent déjà être fiers de leur parcours. Bien que la série n'ait pas joué. Un match ne détermine pas une série, là. Et là, François-James Buteau déjoue Mathis Rousseau. Et victoire de 3-0 des Huskies de Rouyn-Noranda. La troisième étoile avec un but, François-James Buteau. La deuxième étoile, Benjamin Brunel avec un but. Et la première étoile avec 19 arrêts, William Rousseau. Ça va être une quand même très bonne série, là. Et là, on va simuler. Et les deux prochains matchs, on a Victoriaville contre Moncton. Et là, Moncton. Une équipe à ne pas prendre à la légère, là, qui ont quand même battu les Highlanders de Charlottetown. Et là, Miles Mueller déjoue Nathan Darvaux. Et là, Angelo Fullerton crée l'égalité. Et là, nous allons avoir droit à une série très intéressante, le Moncton, une équipe qui peut l'emporter. Même chose pour Victoriaville. La série peut aller autant d'un côté comme de l'autre. Et le Vincent Collard déjoue Nathan Darvaux.
Il a Thomas Auger. Il déjoue Nathan Darvaux. Et là, la série désormais compliquée là, pour Victoriaville qui perd 3-1 dans ce premier match. Et là, Lucas Landry déjoue le gardien. Et là, Landry en marque un deuxième. Et Fortier Gendron donne les devants à Moncton. Et Moncton qui mène 4-3 dans ce match. Il y a Lucas Landry qui a marqué. Il y a Étienne Morin qui marque pour les Wildcats. Et là, Lucas Landry qui complète son tour du chapeau. Malgré la défaite, là, Lucas Landry qui obtient un tour du chapeau. Là. Et les trois étoiles, la troisième étoile des Wildcats avec un but, une passe, Thomas Auger. La deuxième étoile des Wildcats avec un but, une passe, Étienne Morin. Et la première étoile des Tigres avec trois buts, Lucas Landry. Bref, quand même très très intéressant là, comme série. Là. Grosse série à prévoir. Et là, le Phoenix de Sherbrooke affronte l'Armada de Blainville-Boisbriand. Premier match de cette série. Et là, Cohen Miller inscrit un premier but cette saison lors des séries. Mes excuses. Là, la Berge marque également. L'Égaré marque également. Et là, après une période de jeu, on peut déjà prévoir que le Phoenix n'est pas là pour niaiser là, dans cette deuxième ronde des séries éliminatoires. Le Phoenix qui aspire aux grands honneurs. Et là, Cohen Miller déjoue Charles-Édouard Gravel. Il marque un deuxième déjà dans le match. Et là, début de la troisième période à l'instant. Et là, Igor Mbouranomoué déjoue Charles-Édouard Gravel. Et là, Tommy Cormier qui marque pour déjouer Gabriel Daigle. Et Vince Haley également marque. Et là, Vincent Légaré qui en marque un deuxième dans le match. Et là, on a droit à quand même un excellent match. La victoire du Phoenix de Sherbrooke par la marque de 6-2. Des trois étoiles, la troisième étoile de l'Armada avec un but, une passe, Tommy Cormier. La deuxième étoile avec deux buts, Cohen Miller. Et la première étoile avec deux buts, Vincent Légaré. Et non, il n'est pas égaré. Désolé, jeu de mots. Pas très marrant. Et là, on ira du deuxième match de cette série là. Opposant les Diables Rouges face aux Olympiques. Et là, Ryers déjoue Quentin Miller. Et Yakubuer crée l'égalité. Il se sent. Sans difficulté, là, début de la deuxième période. Début de la deuxième période, des avantages numériques échangés un peu de chaque côté, sans chance qui ont capitalisé, là. Avec 2 minutes à jouer et des poussières à la période. On ira en troisième période. Marc étant toujours de 1-1 entre deux bonnes équipes. Et là, Alexis Gendron déjoue Quentin Miller. Et là, Alexis Gendron qui secoue les cordages. Et là, Michael Huchette. Marc, et il y aura prolongation dans ce match et Québec qui reprend tranquillement du côté des lancers au filet, mais Gatineau également qui tire au but et c'est menaçant. Il a avantage numérique. Ils ne peuvent capitaliser sur la séquence. Et Victor Yakubuer déjoue Nicolas Routier en prolongation. Il donne la victoire au Rempart qui mène désormais cette série 2-0.
face aux Olympiques de Gatineau. Et là, les Moussets d'Halifax en sont à leur deuxième match dans cette série. Face aux Huskies de Rouyn-Noranda. Et là, Maxime Pellerin déjoue Mathis Rousseau d'un excellent lancer. Et là, Brody Fournier déjoue William Rousseau. Perron marque également. Et là, on a droit à un excellent match là, entre les Huskies et les Mooseheads. Les Mooseheads de Halifax. Et là, après deux périodes, c'est 3-1 en faveur des Huskies. Et là, Jérémy Langlois et Louis-Philippe Fontaine qui marquent. Et les Huskies de Rouyn-Noranda ne seront pas à négliger. Et pas à négliger, c'est le cas de le dire, là. Et Jack Martin et Mathieu Catafor qui secouent les cordages et défaite des Moussets d'Halifax par la marque de 5-3. André Lochko avec 2 passes, Maxime Pellerin avec 1 but 2 passes et Jérémy Langlois avec 1 but 3 passes. Permet aux Huskies d'y croire encore, là. Et là, on simulera. Et là, Moncton affrontera Victoriaville pour un deuxième match dans cette série. Et là, Renaud Poulain marque sans prendre de temps, là. Et là, les Tigres de Victoriaville qui prennent les devants. Et là, Caleb Desnoyers crée l'égalité dans ce match. Le début de la deuxième période. Match toujours 1-1. Et là, les Wildcats de Moncton qui jouent du bon hockey là, sont un peu les underdogs, mais réussissent quand même à remporter des matchs. Début de la troisième période, score toujours de 1-1 en faveur d'aucune équipe là. Et là, avantage numérique. Ils ne peuvent concrétiser. Il est avec 3 minutes et des poussières. On aura droit à la prolongation. Et les Wildcats et Miles Mueller donnent la victoire aux Wildcats. Et Nathan Darvaux qui est blessé. Oh! Lourde perte pour les Tigres de Victoriaville. Ils devront se débrouiller sans Nathan Darvaux. Et Nico Boudreau fera son entrée, deuxième gardien de but que j'ai obtenu par voie de transaction via Charlottetown. Et là, c'est le match de Sherbrooke face à Gatineau. Face à Blainville-Boisbriand, mille excuses. Et là, James Swan déjoue Gabriel Daigle rapidement. Ce match qui est maintenant à égalité, là, Louis Gendron déjoue Charles-Édouard Gravel. Et là, le Phoenix de Sherbrooke qui n'est pas là pour rigoler là, dans ce match. Et là, Isaac Dufort qui bat Gabriel Daigle. Et là, après 2 périodes de jeu, toujours 2-1 en faveur de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Plusieurs avantages numériques et on capitalise. Là, Vince Ely déjoue Gabriel Daigle.
Et là, Vince Haley en marque un dans une cage béante et la série est égale 1 à 1. Les trois étoiles, la troisième étoile de l'Armada, Isaac Dufort, la deuxième, Vince Haley, et la première étoile, Charles-Édouard Gravel. Là, Étienne Tremblay-Mathieu qui est blessé du côté du Phoenix de Sherbrooke. Dur coup là pour le Phoenix. Là, Fortin fera son entrée dans l'alignement. Et la troisième match de cette série opposant les Remparts aux Olympiques. Et là, Tristan Luneau déjoue Quentin Miller. Et là, Xander Wald marque également. Et là, 2-0 après une période. 3-1 après 2. Et là, Alexis Gendron déjoue Quentin Miller. Et Mianskoum en rajoute et défaite des Remparts par la marque de 5 à 1. Et la prochaine série sera les Wildcats, les Mooseheads face aux Huskies. Les Huskies qui mènent cette série 2 à 0 là, pourraient être bientôt l'une des premières équipes à, comment dire, se qualifier déjà pour le carré d'as. Et là, Axel, Alex Carr qui marque sur Mathis Rousseau. Et après une période, toujours 1 à 0, on débute la deuxième. Et on a droit à toute une série jusqu'à présent. Bien que les Huskies sont nettement supérieurs aux Mooseheads. Là, les Mooseheads qui ne peuvent capitaliser sur l'avantage numérique. André Lochko, lui, peut capitaliser sur l'avantage numérique. Et c'est 2 à 0 pour les Huskies. Et là, Cade Moser qui marque défaite des Mooseheads et les Huskies apporte cette série au bord du gouffre. Là. La Moncton. Terminé ce match-là. Moncton contre Victoriaville. Et le Moncton qui évolue sur leur patinoire. Et le Caleb Desnoyers de Juvin s'enfilion rapidement. Il a l'avantage numérique de Victoriaville qui est capitalisé sur la séquence. Et là, Andrew Bellchamber crée l'égalité dans le match. Et déjoue Jacob Steinman. Et là, Cole Hawkins déjoue Jacob Steinman et donne les Vendorans au titre de Victoriaville. N'ont pas dit leur dernier mot là, dans cette série. Et là, Birzomon participe à la marque et c'est 3 à 1 en faveur des Tigres de Victoriaville. Et là, Julius Sumpf secoue les cordages. Il réduit l'écart à un but là. L'avantage numérique des Tigres ne peut capitaliser. Et victoire des Tigres de Victoriaville qui l'emporteront 3 à 2. Les trois étoiles de ce match, la troisième étoile avec un but, Bill Zonon, la deuxième étoile avec 28 arrêts, Vincent Filion. Et la première étoile avec un but, une passe, Cole Hawkins.
Et leur prochain match, Sherbrooke face à Blainville-Boisbriand, une série égale 1-1. Et là, Sherbrooke qui évolue sur leur patinoire. Là. Et là, Sherbrooke qui semble démontrer un peu de difficulté là, dans ce match-là. Ils n'ont pas marqué malgré leur très bonne puissance à l'attaque. Là. Là, l'avantage numérique de Sherbrooke qui ne fait pas mouche. Et là, Noah Laberge déjoue Charles-Édouard Gravel. Il donne les devants 1-0 au Phoenix. Le début de la troisième période. Justin Gill déjoue Charles-Édouard Gravel. Et James Swan participe à la marque et réduit l'écart à un but. Et là, Francis Sekdej complète la marque dans une cage béante. Et les trois étoiles, la troisième étoile avec deux passes, Jesse Carrière. La deuxième étoile avec un but, Justin Gill. Et la première étoile, Gabriel Daigle. Et Igor Bouranoumoué, qui est blessé avec une foulure à la cheville jusqu'au 19 avril. Ouf, une blessure qui ne fait pas du bien, là. Au Phoenix. Et là, Tommy Cormier qui est blessé également du côté de l'Armada. Dur coup là, étant donné que Tommy Cormier était le meilleur joueur, du moins de l'Armada là. Et la prochaine série, les Remparts de Québec pourraient mettre la série 3-1 ou tant bien qu'égaliser cette série-là. Et là, Bruno Gialasti déjoue Nicolas Ruccia. Et là, Dallin Grubisha donne les devants 2-0 aux Remparts de Québec. Et Gialasti marque encore et c'est 3-0 les Remparts après deux périodes, après une période de jeu, mille excuses. Et là, on a droit à quand même des bonnes séries jusqu'à présent. Là. Et là, Alexis Gendron déjoue Quentin Miller. Et là, les Remparts qui en surprennent plus d'un. Là. Et là, Antoine Dorion sur l'avantage numérique déjoue Nicolas Ruccia. Et là, avec 10 minutes et des poussières à jouer à cette troisième période, les Remparts qui mettent cette série hors de portée des Olympiques, ils l'emportent 4-2. Et auraient l'occasion de les éliminer dès leur prochain match. Et là, les Huskies de Rouyn-Noranda qui pourraient remporter cette série et être la première équipe à passer dans le carré d'os. Et là, Jérémy Langlois déjoue Mathis Rousseau. Là, bien qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot, les Huskies de Rouyn-Noranda, les Moussettes Halifax tirent tout de même de l'arrière. Et là, Jake Furlong déjoue William Rousseau.
Et là, les Moosets d'Halifax doivent de l'emporter. Et là, Brady Schultz crée l'égalité dans le match. Et là, les Moosets d'Halifax qui marquent. Et là, David Moravich donne les devants aux Mooseheads. Et là, avec une période à jouer, les Mooseheads. Et là, Jordan Duvet qui en rajoute. Et William Rousseau est déjoué. Et là, les Mooseheads, contre toute attente, évitent l'élimination. À moins qu'il y ait deux buts en 4 minutes, mais cela serait très surprenant. Et là, victoire des Mooseheads par la marque de 4-2 qui évite l'élimination par le fait même. Et là, on a droit à des bonnes séries. Là, 2-1, 2-1, 3-1 et 3-1. Et là, on va simuler jusqu'à la prochaine, jusqu'au 15. Et là, Nathan Darvaux est disponible pour revenir devant le filet des Tigres. Et là, Nico Boudreau qui sera un gardien fort important l'année prochaine. Étant donné que Vincent Filion va jouer comme un 20 ans. Tandis que Nathan Darvaux joue sur son année de 20 ans cette saison. Là, est-ce que les Wildcats vont se faire jouer un tour et se faire égaliser la série? Et là, Angelo Fullerton, sur l'avantage numérique, donne les devants aux Tigres dans le match. Et là, après une période, c'est 1-0 en faveur des Tigres. Et là, les Tigres de Victoriaville, oh là, Riley Sampson secoue les cordages. Et Bill Zonon déjoue Jacob Steinman. Et les Tigres de Victoriaville n'ont pas dit leur dernier mot. Et les Tigres de Victoriaville qui ont désormais l'avance, mais là... Des pénalités coûteuses là au Tigre de Victoriaville, ils ne doivent pas se faire marquer. Et c'est fait, Marc-André Godet dans une cage béante. Les Tigres de Victoriaville l'emportent et créent l'égalité dans cette série. Et là, quelle est la prochaine série? Je crois que c'est Rouen, c'est Sherbrooke. Ouais, Sherbrooke. Contre Blainville-Boisbriand, match numéro 4 de cette série. Et là, Vincent Desjardins déjoue Gabriel Daigle en débutant le match. Et là, Tristan Roy crée l'égalité dans le match. Joueur de profondeur, là, Tristan Roy, en tant que 20 ans, là, va être une lourde perte pour le Phoenix de Sherbrooke pour la prochaine saison. Là. Plusieurs bons joueurs seront également présents. Louis-François Bélanger secoue les cordages. Et Maverick Lachance. Marc. Et là, avec une période et des poussières à jouer, le Phoenix de Sherbrooke pourrait prendre les devants définitivement dans cette série-là. Et là, Justin Poirier déjoue Charles-Édouard Gravel. On a droit à une bonne série, là. La victoire du Phoenix de Sherbrooke qui l'emporte par la marque de 4-0. La troisième étoile avec un but, Louis-François, 4-1, mille excuses. Et la deuxième étoile avec un but, une passe, Justin Poirier. Et la première étoile avec trois mentions d'aide, Noah Warren.
Et là, on a simulé, je crois, tous les matchs de cette journée-là, ouais. Fait qu'on va... Et là, plusieurs, deux matchs avec des possibilités d'élimination. Et là, Québec contre Gatineau. Est-ce que Québec pourrait passer au prochain tour? Et là, Xander Wold marque, mais Justin Dumais marque également. Et là, en désavantage numérique, Karl-Anthony Massé marque et Xander Wold marque en avantage numérique. Et là, on a droit à une excellente série, là. Les Remparts, qui est un peu, sans nécessairement le dire, et là, Olivier Lemieux marque et donne les devants aux Remparts de Québec. Les Remparts étaient un peu les négligés dans cette série face aux Olympiques de Gatineau, qui sont quand même deuxièmes dans la ligue. Et là, Leighton Stewart qui marque sur Nicolas Ruccia. Et là, quelle performance de Nicolas Ruccia, malgré qu'il a reçu 18 lancés, 19 lancés maintenant. Et là, les Remparts de Québec pourraient éliminer le Mathieu Wiener secoue les cordages. Et là, avec 5 minutes et des poussières, Jakob Bauer marque. Et les Remparts de Québec éliminent les Olympiques de Gatineau. Croyez-vous au miracle? Les Olympiques. Et là, les Remparts l'emportent et se qualifient pour le carré d'os en 5 parties. Comble de malheur à Gatineau qui est éliminé des séries. Et là, les Huskies de Rouyn-Noranda qui affrontent les Mooseheads et de retour à domicile. Est-ce que les Mooseheads préfèrent le même coup qu'ils ont fait? Et là, André Loshko déjoue Mathis Rousseau. Et là, après une période de jeu, les Huskies ont les devants et le McKinnon qui marque. Dylan McKinnon qui crée l'égalité dans ce match. Et les Mooseheads n'ont pas dit leur dernier mot. Et là, Jake Todd déjoue... William Rousseau est là, Louis-Philippe Fontaine crée l'égalité aussitôt avec 10 minutes et des poussières à jouer à ce match. Joseph Henneberry secoue les cordages et les Huskies et là Reese Peachy qui marque sur l'avantage numérique et là avec 4 minutes à jouer et là Maxime Pellerin avec 12 secondes, scénario hollywoodien. Et les Huskies éliminent en 5 rencontres les Mooseheads d'Halifax. Les Huskies éliminent les Mooseheads. Les Huskies éliminent les Mooseheads.
Et là, les Moose, les Huskies. Et là, quel scénario digne des plus grands films. Là. Et là, Igor Burano, moi, est de retour. Et là les tics de Victoriaville de retour à domicile devant leurs partisans pour le match numéro 5. Et là, les Wildcats ne marquent pas. Et là, Angelo Fullerton donne les devants. Et là, Fullerton en marque un deuxième sur l'avantage numérique. Et les Tigres de Victoriaville ont les devants par deux après 20 minutes. Et là, Gabe Smith réduit l'écart à un but. Et ramène l'espoir dans le camp des Wildcats de Moncton. Là, Caleb Desnoyers en marque un. Et là, les Tics de Victoriaville se doivent de marquer sur l'avantage numérique. Et non, aucun but sur l'avantage numérique. Et ça fait mal. Après deux périodes de jeu, 2-2. Et là, Bill Zonon secoue les cordages. Et les Tics de Victoriaville reprennent les devants. Et là, plusieurs avantages numériques. Sans résultat concret là. Et là, les Tigres de Victoriaville remportent un troisième match consécutif et mettent cette série à 3-2 en faveur des Tigres. La troisième étoile du match, Nathan Darvaux. La deuxième étoile, Bill Zonon avec un but, une passe. Et la première étoile avec deux buts rapides de Angelo Fullerton. Et là, Thomas Auger qui doit courber les chines et qui est blessé pour ce qui est des Sea Dogs de Saint-Jean, pour ce qui est des Wildcats de Moncton. La Princeton-Lonsbury. La défense, tout est correct. Ici, tout est correct. Parfait. Et le match du Phoenix de Sherbrooke. Et là, le Phoenix de Sherbrooke. Et là, Poirier marque en débutant le match sur le premier lancé. Et là, Poirier en marque un deuxième. Et là, le Phoenix de Sherbrooke sont à deux doigts. Eh bien, deux doigts, c'est long, c'est rapide à dire, mais d'éliminer l'Armada de Blainville-Boisbriand. Et là, après deux périodes, c'est 2-0. Et après une période, c'est 2-0. Et là, 3-0, Francis Sekdege secoue les cordages et déjoue Charles-Édouard Gravel. Et là, après deux périodes, la troisième période sera très importante. Et là, le Phoenix qui joue du mieux qu'il peut, là. Et là, Justin Poirier complète son tour du chapeau. Amener les casquettes sur la patinoire. Le tour du chapeau pour Justin Poirier. Et c'est ce qui... Et là, le Phoenix qui se qualifie pour les séries éliminatoires, qui se qualifie pour le carré d'or sans 5 rencontres.
Là, il ne reste plus qu'un duel. Celui entre les Tigres de Victoriaville et les Wildcats de Moncton. Série qui n'est toujours pas terminée. Et là, on est en direct de Moncton, du Colisée de Moncton pour les... Ah, on peut bien, rendu là. Et là, Vincent Collard déjoue Nathan Darvaux et Johan Lushing marque également. Et là, on a droit à toute une série. Et là, probablement un match numéro 7 qui s'en vient. Là. Si les Tigres ne réussissent pas à marquer. Et la fin de la deuxième période et les Tigres se doivent de marquer Silver. Là. Éviter l'humiliation d'un match numéro 7. Et là, Oscar Plandowski déjoue Nathan Darvaux et défaite